Si tu cherches des shardcards pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Mais je tenais encore une nouvelle fois à vous remercier car hier on a dépassé la barre des 800 likes sur ma vidéo. Sachez que ça me fait énormément plaisir et je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Car hier soir sur ma chaîne secondaire, j'ai sorti un petit top 5 kill spécial Call of Duty. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui voudraient aller voir, et si jamais vous avez des kills sur Call of Duty, tous les Call of Duty en général, je vous invite vraiment à me les envoyer pour que je puisse faire par la suite peut-être des top 10. Alors dans cette vidéo, nous allons parler encore une nouvelle fois de GTA 5 vu que c'est le but de ma chaîne, mais bon, ça on s'en fout, mais littéralement. Alors j'ai deux petites questions qui sont généralement posées par ma communauté et je vais y répondre rapidement dans cette vidéo. Alors pour commencer, Rockstar ont posté un article lundi à 16h56, remboursement après un achat en jeu. Alors la question c'était: j'ai récemment acheté un objet véhicule en jeu par accident, comment puis-je me faire rembourser? Rockstar a répondu que tout achat en jeu est définitif et le seul joueur en est responsable. Nous effectuons aucun remboursement pour les achats en jeu. Il y a deux choses qui me chagrinent dans cette petite question. La première, c'est comment tu fais pour acheter un objet véhicule de manière accidentelle, comme tu le dis. Si tu achètes un véhicule, c'est déjà t'es allé sur le site internet, t'as été sur le site internet du véhicule en question, donc Legendary Motorsport par exemple, t'as cliqué sur la voiture en question, par exemple la Hadder, t'as même choisi la couleur, puis t'as fait acheter puis confirmer, et tu dis que c'est de façon accidentelle. Alors ça me fait vraiment rire de voir les questions que la communauté peuvent poser de manière accidentelle. Voilà, j'ai acheté un Luxor de luxe, hein, c'était non mais c'était vraiment de façon accidentelle, hein, vous voulez bien me rembourser? Et la deuxième, c'est que le mec ose quand même demander comment puis-je me faire rembourser. T'as vraiment cru que Rockstar, hein, attention, je parle bien de la firme étoilée, hein, Rockstar allait te rembourser, genre ils allaient lire ton mail, oh bah il a acheté un Luxor de luxe, ah mais il dit que c'est un accident, bon allez tiens on te rembourse et on te donne des shardcards. Non mais le mec est complètement fêlé. Faut que même que je vous rappelle que Rockstar m'avait quand même pompé 1 million de dollars en supprimant les customisations de ma Sultan RS, et ils avaient dit que mon compte en banque était trop rempli pour me faire rembourser. Alors là je me suis pris la plus grosse carotte de tous les temps. Je mettrai le lien de ma vidéo dans la description pour ceux qui voudraient aller faire un petit tour. Et pour finir cette petite vidéo, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question: pourquoi mes tenues ont disparu, mes tenues modées, etc. Pour rappel, Rockstar avait fait un article spécial pour dire qu'ils allaient supprimer toutes les tenues modées dans une prochaine mise à jour. Alors maintenant vous savez pourquoi Rockstar n'aime pas du tout le fait que vous modifiez le jeu, surtout avec des glitches, etc. Donc voilà, c'était vraiment la dernière petite info qui devait forcément passer dans cette vidéo car vous êtes trop nombreux à me le demander encore une nouvelle fois, et je voulais vraiment vous faire part de la question qu'un joueur de la communauté a posée. En même temps je pense que vous-même vous allez pas vous poser la question: est-ce que Rockstar va me rembourser si j'ai acheté un véhicule que je voulais pas acheter? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a fait plaisir, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, allez checker ma chaîne secondaire, le lien se trouve en permanence dans ma description, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao, bye bye tout le monde.